Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur tech et au moniteur de plongée loisir. Alors, je rappelle que le but de cette chaîne, c'est de répondre aux questions sur la formation plongée. C'est une chaîne nature peinture, hein, comme vous l'entendez des fois, on a des problèmes de son. Hein. Ici, il y a les cigales qui chantent, c'est infernal. En plus, j'ai perdu ma perche, donc la stabilisation de la vidéo va être redoutable. Je vous prie de m'en excuser, mais en fait, c'est le but de la chaîne, hein, faire des vidéos brutes de décoffrage, en fait. Et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de cet ordinateur. Cet ordinateur, hein, c'est un des must actuellement. C'est la Terik de Shearwater. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais celle-ci, c'est vraiment un des must à avoir. Hein, bien sûr, pour ceux qui veulent frimer avec une belle montre au poignet. Après, l'esthétique dépend des goûts de chacun, hein, comme peut l'attester la chemise que je porte aujourd'hui. Mais vraiment, ça, c'est de la balle. Pourquoi? Parce que tout simplement, les ordinateurs Shearwater, actuellement, ils sont en train de prendre le marché, tout simplement parce qu'ils ont une ergonomie très pratique. Hein, ils sont assez simples à comprendre. Ils sont adaptés aussi bien pour la plongée loisir, pour la plongée tech et pour la plongée recycleur. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est des ordinateurs paramétrables avec un modèle Bullman, donc on peut régler les gradient factors. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans celle-ci, bon, bien sûr, c'est son esthétique. Hein. Quand je la porte, tout le monde jette un œil dessus et j'ai déjà un de mes stagiaires qui m'a dit « celle-là, je la veux ». Je peux en vendre, il faut le savoir aussi à mes stagiaires quand on venait en formation. Et ce que j'apprécie, c'est sa lisibilité sous l'eau. Hein, puisque, comme vous le savez, j'ai plus de 25 ans, la visibilité, c'est important. Hein. Souvent, les montres ordinateurs de poignet, pas facile de voir à travers. Et celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle reste très, très lisible. Hein, je rappelle que moi, je suis désormais aux lentilles. J'utilise n'importe quel masque. Hein. Mon masque préféré, vous l'avez vu sur d'autres vidéos, c'est le masque luxe de Beuchat. Et cette montre est très lisible au fond. Hein, donc avec un affichage très intuitif, aussi bien de la décompression, des paramètres de changement de gaz, donc ça c'est vraiment super. Ce que je reprocherais peut-être un peu, c'est son autonomie, mais ceci dit, elle a un rack rechargeable par induction, on la pose dedans et elle se recharge. Donc vraiment ça c'est un super produit que je conseille, un produit évolutif qui en plus s'utilise au quotidien et permet d'afficher votre appartenance à la communauté de la plongée. Donc ça, c'est sympa, un objet bien valorisant, hein, c'est la Terik de Shearwater. Et donc, franchement, moi, ça fait un mois que je l'utilise maintenant. Et encore une fois, hein, je trouve ça très très facile à lire, une bonne ergonomie comme tout Shearwater. Et puis, surtout, des paramétrages simples. Donc de la balle quoi en fait. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez voir tourner une vidéo sur le sujet de votre choix concernant la formation plongée, bah, comme d'habitude, vous faites un commentaire avec un petit bonjour, une formule de politesse, c'est plus sympa. À bientôt.